J'ai fait très peu de télé, lui a fait un magnifique Don Juan à la télé. Enfin, il y a notamment une scène sur un échange sur un canapé. Ils sont censés avoir une discussion, mais en fait, Piccoli lui coupe la parole en permanence. Comment se porte Madame Dimanche, votre épouse? Bien, fort bien, monsieur, Dieu merci. C'est une brave femme. Oui, elle est votre servante, monsieur. Non, et votre petite fille, Claudine? Comment se porte-t-elle? Le mieux du monde. La jolie petite fille que c'est, je l'aime de tout mon cœur. C'est trop d'honneur que vous lui faites, monsieur. Et le petit Colin, fait-il toujours bien du bruit avec son tambour? Et votre femme, comment elle va? Et vos enfants? Et donc, vous allez bien aujourd'hui? Dès que l'autre commence à répondre, il lui en remet une couche. Et à chaque fois, dans chaque phrase qu'il dit, en même temps, il y a une espèce de sous-texte, mais qui se joue à rien du tout, mais du bout des lèvres, où on sent qu'il l'humilie, il le juge, il l'écrase de plus en plus. Ne vous étonnez pas si je m'informe des nouvelles de toute la famille, car j'y prends beaucoup d'intérêt. Avec toute la détente et la délicatesse d'un Don Juan tout à fait fréquentable, mais qui est horrible. Je vais le revoir, ce film.